des experts venus des pays membres du Conseil Ouest et Centrafricain pour la recherche et le développement agricole CORAF, réunis en atelier à Ouagadougou du 3 au 5 avril 2024. Objectif, restituer les résultats du processus d'élaboration des programmes et curricula de formation et plans d'animation des plateformes d'innovation telles que prévues par la sous-composante 3 du programme de résilience du système alimentaire PRSA, ce programme d'investissement régional qui vise à renforcer la résilience du système alimentaire en Afrique de l'Ouest par une approche régionale stratégique. Au cours de ces 3 jours de rencontre, il s'agira de présenter aux participants les programmes de formation et curricula et de discuter du contenu entre autres pour proposer un document final riche qui pourra servir les grandes écoles et centres de formation d'agronomie. C'est vraiment une harmonisation aujourd'hui du processus d'élaboration des programmes et curricula d'animation au niveau des plateformes d'innovation. Il faut savoir que les plateformes d'innovation est un élément de taille, un canal qui permet la vulgarisation de tout ce qui est technologie. Et aujourd'hui, le CORAF en a fait plus de 400. C'est un programme aujourd'hui financé par la Banque mondiale, qu'on remercie, et qui vise à renforcement des systèmes alimentaires. Et que le CORAF appuie, coordonne la composante 2 à travers 2 sous-composantes. La première, c'est d'abord le renforcement des innovations. Et la deuxième, c'est le renforcement de la sécurité alimentaire à travers ce qu'on appelle la gestion intégrée du paysage. Cet atelier vient à point nommé en ce sens que le Burkina est au devant des questions d'innovation, notamment dans la recherche agricole, dira le docteur Drissa Sérémé, directeur de l'Institut de l'Environnement et de Recherche Agricole INERA. Le Burkina quand même est à l'avant-garde de tout ce qui est plateforme d'innovation. Et il était donc important que le Burkina abrite donc cet événement important qui permet quand même d'harmoniser les points de vue, les formations, les curricula sur donc cette approche qui permet quand même de porter à l'échelle tout ce qu'on a comme innovation au niveau de la recherche et pour le bien donc de nos producteurs, des utilisateurs, plus spécifiquement des petits exploitants. Le programme de résilience du système alimentaire est un programme financé par la Banque mondiale. L'autre objectif recherché à travers l'élaboration de ces programmes et curricula de formation et plans d'animation des plateformes d'innovation est de permettre à la sous-région de répondre aux besoins du marché de l'emploi et de doter les pays d'une masse critique de spécialistes.